Bonjour Maëla. Mais là, qui est Bonjour. une consultante carrière à Odense, Jean-Baptiste, qui Enchantée. vient d'arriver. Bonjour Maëla. Enchantée Maëla. Sébastien, qui sera un étudiant du MOS l'année prochaine. Oh là là. Sébastien, tu seras content à la fin du webinaire, si quoi? Bah, bonjour à tous déjà. Bonjour. En fait, moi, ce que de base, je viens du monde du sport. Moi, j'ai fait des études dans le monde du sport et c'est vrai que le côté business maintenant, je le connais pas encore bien. Donc, c'est découvrir un petit peu les différentes possibilités et ne pas me fermer sur ce que je connais, mais comprendre un petit peu, bah, comme ce qui a été dit, l'environnement, l'écosystème, tout ce qui existe pour m'ouvrir un petit peu le champ des possibles à ce niveau-là. Donc découvrir la dimension plus business du sport. J'en déduis que quand tu dis que tu avais fait une formation là-dedans, c'était plus une formation en rapport avec non pas le marketing sportif, mais vraiment le sport pour le sport. C'est une C'est petite ça, c'était à étape. l'INSEP. INSEP, ok. Voilà. Intéressant. Ok. On accueille des nouveaux encore. Kevin. Éléonore. Thomas, bonjour à tous. On attend encore quelques minutes. N'y a pas forcément les noms de famille, donc peut-être qu'il y a des personnes derrière des prénoms que vous connaissez, mais peut-être que ce n'est pas le cas. Éléonore, par exemple, tu seras contente à la fin du webinaire si quoi? Si tu nous entends. Je ne vous entends pas. Bon, bah, pas trop d'attente, ça va, on va les réussir si vous n'attendez pas. Thomas, pareil, Kevin, n'hésitez pas à partager vos attentes. Une belle manière de meubler avant de commencer. Ouais, bah personnellement, bonjour, c'est Thomas Poulet qui parle. Je Bonjour suis Thomas. en J'ai une expérience de 15 ans dans la vie professionnelle en tant que directeur des ventes dans la distribution de biens de consommation. Et je suis en réflexion sur la suite de mon parcours professionnel. Et le secteur du sport m'intéresse en premier lieu pour mes recherches. Donc je serais content si je trouve un axe de recherche de mon futur emploi qui rejoigne métier et passion. Ok, très clair. Cool. Ça y est, ça commence à arriver là. Hop. Bonjour Mathieu. Bonjour. Qui nous fait l'honneur Bonjour. de la vidéo. Magnifique. N'hésitez pas à la mettre, effectivement, si vous souhaitez la mettre. Nous, on appréciera dans tous les cas De vous la mettre, voir. tout Ouais. simplement. On attend encore un petit peu. Hop. J'en profite peut-être pour Dylan. Dylan, tu seras content à la fin de la réunion ensemble, si quoi? Bonjour à tous déjà. Alors moi je viens justement pour découvrir le monde du sport parce que je rentre l'année prochaine du coup en PGE à Audentia. Pour tout le monde, Donc voilà. PGE, c'est le programme Grande École. Oui, pardon. Oui, c'est ça. Donc j'ai eu l'échange d'échanger un petit peu avec Étienne pour le MOS justement. Et donc c'est avec plaisir que je vais découvrir l'univers et puis voilà. Clair. Okay. Et Mathieu, il y a quelqu'un qui n'a pas mis son micro en off. Ouais. Pareil, Mathieu, si jamais tu as une attente particulière par rapport au webinaire, ça serait lequel? Ou laquelle plutôt? Non, je suis surtout venu pour me renseigner. En fait, j'essaye de monter un projet sur le sport. J'ai lancé une application sociale sur le sport il y a quelques semaines maintenant. C'est une application en fait sociale et divertissante pour les personnes de football. Et le but, c'est de créer en fait une application collaborative qui va permettre en fait d'évaluer les compétences et les compétences de chaque fan pour en fait intégrer les clubs au sein de cette application et que ce soit une application collaborative entre les fans et les meilleurs fans et les clubs. Ok, Voilà. ça c'est ton projet et tes attentes.
mes attentes sur ce projet. Sur le webinaire. C'est de vous prendre le plus possible sur le monde du sport et voilà, essayer de comprendre un peu mieux comment ce milieu fonctionne. Ok. Ok. On tourne autour des sujets de, à la fois informatifs, c'est-à-dire repartir avec de l'info, partir un peu plus sachant à la fin de 7h30 pour mieux comprendre l'environnement, les acteurs, la manière dont il est organisé. Il y a des sujets plus autour de, on va dire, l'axe professionnel, que ce soit en tant que sportif de haut niveau qui a vocation à trouver sa place peut-être dans le monde du sport, mais une place différente de celle qu'il occupait ou qu'elle occupait avant. Il y a des dimensions aussi métiers avec toi, sur la, je crois que c'était Thomas, je crois, sur la partie direction des ventes. Donc, comment est-ce qu'après 15 ans de boîte, on peut éventuellement switcher vers un univers au coup qui peut être celui du sport, tout en gardant évidemment tout ce qu'on a pu construire par son parcours précédent. Donc il y a pas mal de sujets divers et variés. Donc évidemment, on essaiera de contenter tout le monde, mais on essaiera de... N'hésitez pas aussi à interagir pour que vous puissiez justement repartir satisfait de votre échange. Oui, l'idée c'est que soit vous interveniez, soit peut-être, comme on est relativement nombreux, vous puissiez aussi... posez vos questions, faire vos remarques, notez des choses, affichez vos désaccords éventuels avec soit ce qu'on dit, soit ce que quelqu'un dit. Voilà, le but, c'est aussi que ce soit une plateforme d'échange, qu'on ait une heure et demie pour répondre à vos questions et puis que vous trouviez aussi votre compte. Donc, n'hésitez pas à partager, notamment sur le chat. Et puis, pour ceux et celles qui ont prévu de déjeuner pendant cette pause, nous souhaitons à tout cela, un très bon appétit. Merci. C'est important. Est-ce que Jean-Baptiste, on commencerait pas ? Si. Alors, c'est parti. Peut-être qu'il y aura du monde qui nous rejoint en cours de route, mais à la rigueur, c'est pas grave. On reprendra éventuellement les principales questions éventuelles qui reviendront. Je pense qu'on va juste commencer par introduire le sujet et l'objet. Enfin, nous, Jean-Baptiste et moi, on va se présenter bien sûr, et on va introduire un peu le sujet. On a commencé en vous demandant comment vous seriez content à la sortie de ce webinaire, en quoi vous seriez content et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ça. On va revenir un tout petit peu aussi sur une première partie, je pense, dédiée plutôt à vous donner un peu d'infos. Alors, on a plutôt orienté ces informations-là plutôt sur le marché de l'emploi dans le sport, puisque c'était aussi ça la thématique qu'on avait fixée sur le webinaire. Après, ultra flexible, on est capable d'apporter de l'information aussi sur l'écosystème au sens large. Donc, n'hésitez pas là-dessus, de manière un peu plus précise, si vous avez des questions à nous poser, parce que pareil, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais ça se trouve, vous avez des attentes ou des questions un peu plus précises. On vous invite à les formuler dans le chat ou à lever la main pour nous les donner. Donc, on parlera un peu du marché de l'emploi et de la structuration du marché de l'emploi. Et puis, je vous donnerai un tout petit mot aussi sur, peut-être pour déconstruire pas mal de choses qui ont été dites depuis 18 mois sur le marché du sport à travers le Covid. Non pas que tout est faux, mais je pense que c'est intéressant de nuancer en tout cas certaines choses. Et ensuite, Jean-Baptiste passera du temps aussi sur les spécificités de ce marché-là, à la fois en termes de structuration, mais aussi en termes d'intégration de ce marché-là d'un point de vue métier, comme certains en parlaient. Qu'est-ce qu'il nous faut, qu'est-ce qui va être intéressant pour vous de comprendre, d'avoir les clés, quelques clés, quelques ingrédients. Et puis on s'est même posé la question, si jamais ça vous intéresse, comment rater aussi son projet professionnel dans le sport. On s'est dit que ça pouvait être une manière intéressante pour vous d'avoir un regard critique sur et de mieux comprendre peut-être comment réussir à votre manière. Ce que je vous propose, c'est qu'on se présente. Je commence, Jean-Baptiste, et tu continues. C'est la seule fois où je t'appellerai Jean-Baptiste.
Donc maintenant, je t'arrête, j'y vais si ça te va. Donc moi, je suis Étienne Cassagne. En effet, aujourd'hui, je dirige le master spécialisé management des organisations, management responsable des organisations sportives d'Audencia. Et par ailleurs, je suis aussi coach en transition professionnelle. Voilà, à mon compte, où j'accompagne diverses personnes de tous âges, hein, de l'étudiant jusqu'à une personne confirmée, voire en fin de carrière, sur des questions de transition professionnelle. Et à Audencia, spécifiquement, donc je travaille sur les sports, sur le master spécialisé management responsable des organisations du sport, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas trop, en deux mots, est une dernière année d'études pour des étudiants ayant un Master 2 et souhaitant se doter d'une spécialisation dans le secteur du sport, donc pas particulièrement sur un métier, mais plutôt sur une approche sectorielle où on intègre des Master 2, des Master 2 tout jeunes, et puis aussi une frange importante des promotions, environ un tiers de la promotion qui vient se réorienter, comme on dit, après quelques années ou beaucoup d'années dans la vie pro. Voilà, ça c'est mon poste actuel. Moi, j'ai fait Audencia en termes d'école de commerce avec Jean-Baptiste pour le coup, où on a fait notre spécialisation sport aussi. Je te devance un peu, je vais sur ce que tu vas dire du coup. Et moi, j'ai travaillé pendant 9 ans, 8-9 ans chez Coca-Cola au sein des équipes marketing et sponsoring, notamment sur ma dernière expérience, animé toute la communauté marketing autour de l'Euro 2016 de football, voilà, en France. Donc, toutes les actions marketing européennes et puis les actions plus événementielles autour de l'événement. Et puis, depuis 2016, du coup, j'ai monté ma structure de coaching où j'ai d'abord accompagné beaucoup les sportifs de niveau. C'est pour ça que ça a forcément résonné, ce dont on a parlé avec Béatrice. J'ai accompagné les sportifs de niveau plutôt dans une démarche de coaching d'image, une démarche marketing. Et puis ensuite, j'ai ouvert à toute personne qui souhaite être accompagnée dans une période de transition. Et puis depuis 3 ans maintenant, je dirige le master spécialisé management du sport à l'école, en marge de ses activités de coaching. Voilà pour moi. J'y vais. Et papa de 2 enfants. Et papa de 2 enfants, bien sûr. 2 petits-enfants adorables. Ça aussi, c'est du sport. Et ceinture noire de judo, dans ce cas-là, si on va jusqu'au bout. Si on parle un peu tard, comme on parle sport, ceinture noire de judo, c'était mon sport à moi quand j'étais plus jeune. Pour moi, pour le coup, je m'appelle Jean-Baptiste Cailleux, mais vous pouvez tous m'appeler JB, puisque personne ne m'appelle Jean-Baptiste. J'ai 35 ans. Pour le coup, moi, je suis le papa d'un petit bout, pas de deux, d'un seul. Et en l'occurrence, j'ai passé le plus clair de mon temps dans le monde du sport. J'ai commencé à la Fondation du sport, donc c'était du mécénat sportif. On pourra revenir dessus, notamment Lucas qui voulait comprendre un peu l'écosystème. Donc on pourra s'en parler parce que c'est un type d'acteur parfois un peu méconnu, tout ce qui est en fait RSE au sens large du terme dans le monde du sport. Donc un an là-bas. Ensuite, j'ai eu la chance d'intégrer, alors la chance, on verra si c'est que de la chance justement par rapport à la dynamique de projet professionnel, mais en tout cas, j'ai eu l'opportunité de commencer ma carrière, je déteste ce mot, mais en tout cas ma vie professionnelle à la Fédération Française de Football, alors que certains ici peuvent en témoigner, c'est pas forcément ma tasse de thé, le ballon rond à la base. Et ça aussi, je pense qu'on pourra en parler parce que voilà, il y a des univers qui sont plus ou moins passionnants dans des univers passion. Et j'ai commencé donc à la Fédération française de football pendant 4 ans, à une période assez particulière, je vous en parlerai peut-être après. 4 ans pendant lesquels il y avait notamment Nice-Na, 4 ans pendant lesquels il y avait une construction d'une stratégie marketing, le développement d'une offre commerciale pour aller séduire des nouveaux partenaires qui avaient vocation de s'afficher aux côtés des Bleus, qu'ils soient hommes ou femmes, ou bien de la Coupe de France ou du foot amateur. Pendant 4 ans, je suis parti de la Fédé au bout de 4 ans, réellement, c'est-à-dire que j'ai négocié gentiment une rupture conventionnelle. J'ai voyagé un peu, je suis revenu et à ce moment-là, j'ai travaillé chez Lagardère Sport, devenu Sport 5 après, mais qui est grosso modo une agence de marketing sportif, qui est aussi un autre type d'acteur dont on pourra se parler après, qui a vocation, pour faire simple, à créer des mariages entre des marques qui ont envie de prendre la parole dans le sport et des ayants droit, comme on les appelle, c'est-à-dire des fédérations, des clubs, des événements,
des ambassadeurs, donc des joueurs, des joueuses, des athlètes, des ligues professionnelles, par exemple, autour de partenariats sportifs. Donc moi, j'ai essayé de faire des mariages qui avaient du sens, donc des marques qui avaient intérêt à s'associer avec ces gens-là. Et donc, j'ai monté le département conseil chez Lagardère Sport pour aider justement les marques à choisir le bon partenaire de mariage. Ça, pendant un petit bout de temps. Je suis parti ensuite en tour du monde pendant un an, en congé sabbatique, puisque j'ai eu la chance, via mon boss, le directeur général de Lagardère Sport, de pouvoir faire ça. Encore une fois, la chance, pas que la chance, on en parlera. Et ça a été vraiment marquant dans le cadre de mon parcours professionnel dans le monde du sport, justement, puisque j'en suis revenu avec l'envie de vouloir faire autre chose, pour le coup, que le poste que celui que j'occupais avant. Je suis donc parti de Lagardère Sport. J'ai regardé d'assez près le milieu du recrutement, de la chasse de tête, parce que c'est un milieu qui m'intéressait de très près. Et donc là, j'ai commencé à affiner une réflexion que j'avais déjà entamée en fait en prépa sur l'idée de effectivement d'être un peu plus impliqué sur des sujets de relations, enfin de ressources humaines. Donc, essayer de comprendre un peu ce qui se joue dans une relation humaine. Et la petite histoire, c'est que pendant que j'étais en train de faire mon étude de marché, je me suis moi-même fait chasser pour aller cette fois-ci chez ASICS, donc encore un autre équipementier que vous devez connaître, qui fait notamment des chaussures de running, mais pas que, et qui, pour le coup, a vocation à prendre des parts de marché. Donc, on était vraiment sur un poste en direction marketing pour faire en sorte qu'un maximum de distributeurs achètent, grosso modo, un maximum de produits à ASICS. Expérience très intéressante dont on pourra se parler après, même si expérience dans laquelle finalement j'avais plus forcément l'impression d'être dans le monde du sport. Donc c'est assez paradoxal puisque en étant chez ASICS, on peut se dire, en tout cas chez l'équipementier, qu'on est vraiment dans le monde du sport. Au final, personnellement, c'est pas vraiment le sentiment que j'ai eu. Et la relation s'est arrêtée il y a quasiment 2 ans. Et ça m'a notamment permis de monter ce cabinet que j'ai cofondé avec un associé qui s'appelle Boost et dont le métier justement est de trouver un métier à des personnes qui se recherchent justement professionnellement parlant, mais c'est aussi donc en gros du coaching de transition professionnelle par rapport à ce que disait Étienne, mais aussi aider des organisations qui sont dans le monde du sport mais pas que à trouver les bonnes personnes qui peuvent effectivement les aider à se développer. Donc on a à la fois une version cabinet de recrutement et on va dire une version plus institut de coach où pour le coup on accompagne aussi des personnes qui n'ont pas de boulot et qui en recherchent un dans le monde du sport ou bien qui ont un boulot dans le monde du sport mais qui ont envie d'en changer pour aller à droite, à gauche, au milieu, dans un autre pays, qui reviennent de congé mat, qui reviennent d'une aventure entrepreneuriale et qui ont envie de redéfinir un paradigme professionnel, pourquoi pas dans un univers passion comme le monde du sport. On accompagne essentiellement des personnes dans le monde du sport, mais pas que. Et donc, c'est aujourd'hui l'activité que j'ai avec mon associé et mon équipe. Voilà. Et j'ai également, par rapport à ce que disait Étienne, un ex-Audencia, du programme Grande École, PGE, pour reprendre le terme de qui est employé tout à l'heure. Et j'ai eu la chance, effectivement, en tout cas, j'ai eu la chance, j'ai décidé, comme Étienne, de faire une surspécialisation entre guillemets en faisant le MOS, en faisant le management des organisations sportives, même si je crois que le nom a un petit peu changé, je l'écorche un peu peut-être, mais grosso modo j'ai effectivement décidé de me surspécialiser par rapport à un marché que j'avais vu comme hyper concurrentiel quand j'étais en stage à la Fondation du Sport. Donc aujourd'hui on va effectivement parler de projets professionnels dans un univers passion qui est le sport. Il y en a d'autres, mais aujourd'hui on a choisi plutôt l'univers sportif. Voilà. Moi, du coup, j'ai presque une première question pour toi, JB. C'est quoi ta réussite à toi ? Comment tu déterminerais ? Comment tu répondrais à cette question pour toi, maintenant que tu as partagé ce beau parcours ? Je te remercie, Étienne, de faire des choses qui n'étaient pas prévues déjà. Ouais. ma réussite professionnelle, c'est mon parcours, au sens où je suis content d'avoir été acteur de mon parcours. C'est pas une expérience plus qu'une autre. C'est pas la Fédération française de football ou ASICS ou Lagardère Sport ou aujourd'hui Boost, même si j'étais très content d'être dans ces différents univers. Mais c'est le fait d'avoir justement pu évoluer dans les différents univers, les trois principaux univers
ayant droit, agence, annonceur, on en parlera après, qui pour le coup avait du sens pour moi. Donc là, pour le coup, c'est très personnel, hein, c'est une question qui est personnelle, donc je réponds personnellement, qui avait du sens pour moi, que j'avais envie de découvrir et que j'ai réussi à découvrir en générant effectivement des opportunités, mais aussi avec une part un peu de bonne étoile. Donc voilà, je dirais que c'est plutôt mon parcours. Et dans mon parcours, je ne mets pas que les expériences, je mets aussi les expériences qui sont entre les expériences, c'est-à-dire les breaks, le break après la fédé de foot, le break après la gare d'Air Sport, enfin pendant la gare d'Air Sport, le break juste après. Et je vais même aller un peu plus loin, c'est que quand j'ai dit que ça s'est arrêté avec ASICS, ce n'était pas vraiment totalement de mon fait. Donc objectivement, on pourrait voir ça comme quelque chose de très négatif. Et la vérité, c'est que ça a été aussi en fait l'occasion pour moi de faire ce qui me tenait vraiment à cœur. Voilà, derrière aussi des parcours qui parfois peuvent être accidentés, objectivement parlant, il y a la possibilité effectivement de prendre la voie qu'on a peut-être au fond de soi mûri, eu envie de prendre, mais on n'avait pas forcément les armes, l'envie, le courage, le cadre professionnel, l'horizon professionnel pour le faire. Et ça, c'est aussi important, c'est-à-dire que quand on parle de projet professionnel, on ne parle pas juste de boulot, en fait. On parle de tout un tas d'éléments qui sont importants, encore plus avec l'arrivée du Covid, qui comptent en fait dans un cadre d'horizon professionnel. Donc objectivement, faut essayer de rentrer un peu dans le niveau de granularité suffisamment important pour comprendre que bosser dans le monde du sport, entre guillemets, ça ne veut rien dire. En tout cas, cette phrase-là ne veut rien dire. Ma sœur, qui est prof de PS, bosse dans le monde du sport. Donc, et elle est très contente, mais en fait, on bosse avec Étienne d'une certaine manière aussi dans le monde du sport, et pourtant, on a des rôles avec ma sœur ou avec Étienne totalement différents. Donc, il y a un projet professionnel en fait pour chacun dans un univers passion comme le sport qui, en vérité, est beaucoup plus grand qu'on ne le croit, qu'on ne le pense. Et ça aussi, on en parlera tout à l'heure. Merci Étienne pour cette question. Je te remercie. J'en profite peut-être pour cadrer un peu les débats sur. Un petit moment Larousse sur le monde du sport. En fait, pour simplifier, j'ai parlé de trois univers. J'ai parlé des ayants droit, j'ai parlé des agences et j'ai parlé des annonceurs. En réalité, il y a un quatrième qui peut être les médias. Mais si on simplifie un peu le monde du sport, je dis vraiment au sens business du terme, pour le coup, je m'intéresse pas là aux activités, on va dire, de pratiques sportives en tant que telles, mais d'un point de vue business, il y en a trois principaux. Après, il y a des acteurs satellites qui rayonnent, mais il y en a trois principaux, ce sont donc des ayants droit. Donc, les ayants droit, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que des personnes qui ont en fait des droits, ils sont propriétaires de droits et ils ont la possibilité de les proposer à un tiers. Ce tiers, généralement, c'est un annonceur, c'est un diffuseur, c'est quelqu'un qui a envie d'acheter un maillot co-brandé. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie d'avoir une part de l'ADN de cet ayant droit, qui peut être un club, le PSG, qui peut être une fédération, fédé de basket, qui peut être une ligue nationale de volley, qui peut être un événement, le All-Star Game, qui peut être un ambassadeur, Karabatic, qui peut être... Donc, c'est des personnes qui ont des choses à proposer à d'autres qui ont intérêt de s'associer avec elles. Donc ça, c'est le monde des ayants droit. Donc, dans ce cadre-là, à la Fédération française de football, comme vous pouvez l'imaginer, j'étais dans le monde des ayants droit. Monde assez, entre guillemets, traditionnel, assez installé, la version un peu, installée, administrative limite du sport. Et ça, c'est un premier monde. Le deuxième monde, enfin, je vais commencer par le troisième monde, qui est tout à droite, on va dire, c'est le monde des annonceurs. Donc, c'est pour le coup le monde des marques, pour simplifier, qui ont envie de s'associer avec la première partie. Donc, c'est des Coca-Cola qui deviennent partenaires, par exemple, de la Fédération française de football ou de Teddy Riner ou d'un festival de musique. Ce sont des marques, mais ça peut être aussi TF1 qui acquiert les droits de M6 ou Bein qui acquiert le canal, qui acquiert les droits d'un ayant droit pour pouvoir le diffuser. Donc, on va dire qu'il y a ces deux forces vives et entre, il y a une constellation d'agences, une constellation de personnes. Il y a des prêtres divers et variés qui joue un rôle à un moment donné ou à un autre dans la relation entre les ayants droit et les agences et les annonceurs. C'est ce qu'on appelle des agences. Et donc, pour le coup, le monde des agences dans lequel il y a des grosses pointures, entre guillemets, en tout cas des grosses structures. Et il y a également des structures qui sont, on va dire, de taille plus moyenne, voire petite, qui sont soit plutôt côté annonceur, soit plutôt côté ayant droit. Et après, ça, c'est les trois, on va dire,
éléments importants donc par rapport à la personne qui avait envie de voir comment est-ce qu'en tant que ex-directeur des ventes, il pouvait effectivement associer ses compétences à un univers. Il faut peut-être déjà se demander l'univers justement au sein d'un ayant droit, d'une agence ou d'un annonceur pour caricaturer, qui peut être intéressant. Même si évidemment, l'écosystème ne s'arrête pas à ces trois grands univers. Il y a également des univers un peu périphériques qu'on peut appeler voilà, le monde des startups, le monde des médias, le monde de la formation professionnelle en rapport avec le monde du sport, le monde institutionnel au sens ministère, collectivité, comité d'organisation à la limite, même si comité d'organisation, ça devient limite des ayants droit. Mais voilà, il y a évidemment d'autres acteurs qui évoluent public, parapublic, privé, dans cet écosystème-là, mais c'est pour vous donner une lecture, on va dire, simplifiée. Il y a des ayants droit, des agences qui essayent de jouer un rôle dans la relation entre les ayants droit et les annonceurs. Est-ce que c'est clair pour tout le monde là-dessus ? Oui, je tiens juste à préciser, JB, que tu es parti d'un point de départ très business pour le coup, alors qu'on pourrait partir et avoir un peu une description similaire sur une dimension très pratique du sport. On partirait du terrain de sport et on déploierait aussi les acteurs parce que finalement, et c'est aussi un des mouvements du marché de l'emploi dans le sport, c'est que là, ce que tu as cité, c'est un peu la base de ce qu'est l'emploi du management sportif depuis une vingtaine d'années et qu'autour de ça, de par la mutation du secteur, se greffent en effet beaucoup d'opportunités d'emploi et du coup de structuration des organisations. Pour côtoyer différents acteurs aussi grâce au master à Audencia, le monde associatif se structure énormément. Alors du coup, ils deviennent potentiellement des ayants droit ou ils deviennent aussi des gens qui ou alors qui vont chercher des justement qui vont chercher des sponsors. Bref, il y a toute une structuration du sport qui est un petit peu différente avec en effet un rôle associatif plus fort, un lien privé, public, asso, qui se veut, notamment dans toute la nouvelle, allez, on peut utiliser ce mot-là, on n'a pas peur, du nouveau monde, on y croit tous, post-Covid, qui se veut être un monde beaucoup plus intégré et beaucoup moins segmenté. On a aussi Paris 2024 qui casse un peu aussi ces codes-là, d'une certaine manière, puisque c'est une organisation privée, publique, et qui a pour vocation à travailler avec le monde associatif également. Donc en fait, l'approche des trois piliers, elle est essentielle, elle est très orientée business. Et en fait, ça donne aussi du coup un peu de lien avec la suite qu'on voulait partager avec vous. C'est qu'autour de ça, notamment avec des élans comme peuvent être Paris 2024, comme peuvent être la structuration des organisations sportives, la professionnalisation d'autres organisations, on donne en fait une constellation d'opportunités de création d'organisation ou de création d'emploi autour de cette sphère-là un peu plus classique sans donner de connotation négative à cela. Je vois de plus en plus pour le coup d'étudiants rejoindre en stage des structures qui n'existaient pas soit par ailleurs, soit en fait qui n'avaient pas cette idée d'avoir des stagiaires ou des personnes en emploi sur des postes de management. On a aujourd'hui, pour parler concrètement, des clubs de foot jusqu'à des divisions très inférieures qui vont commencer à se structurer commercialement, qui vont commencer à se structurer d'un point de vue gestion de projet, gestion d'équipe, parce que peut-être que le constat est négatif à la base de baisse des subventions publiques, mais du coup, en termes d'opportunités, ce qui est intéressant, c'est que ça se structure, ça devient pas encore des structures professionnelles, mais ou en tout cas, ça va développer des objectifs de développement, de gestion, etc., etc. Donc, c'est une approche complémentaire, en tout cas, à ce que tu disais. Et là-dessus, c'est vrai que moi, je ne vais pas parler de choses que je connais moins. C'est-à-dire que moi, effectivement, vous l'avez vu avec mon parcours, je suis plutôt business. Donc, pour le coup, je vais effectivement plus vous parler de cette dimension-là, même si effectivement, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a toute une autre dimension autour voilà, du monde du sport, sur les collectivités, sur la pratique du sport. Et là-dessus,
n'écarte pas. C'est juste qu'effectivement, ce n'est pas forcément ça qu'on va traiter dans un premier temps, parce que effectivement, le monde du sport professionnel, pour vous en tout cas, dans lequel il y a possibilité de faire, pas juste de prendre une licence, mais beaucoup de travailler, bah, il est en train de se développer. Thomas, merci pour le feedback, Thomas, parce que pour le coup, effectivement, quand on parle un peu tout seul, on ne sait pas forcément si on est clair et si on est compris, surtout. Donc, merci pour le feedback, Thomas. J'espère que ça t'éclaire effectivement un peu. Si on revient sur justement pour rapidement faire un bilan du marché du sport, en tout cas, on l'avait un peu orienté marché de l'emploi du sport. On voulait juste vous proposer quelques chiffres pour se rendre compte quand même des opportunités, en tout cas de ce que ça représentait en France. On estime à peu près aujourd'hui à 450 000 emplois directement liés au monde du sport. À cela, il faut clairement en effet prendre la partie des profs de PS ou des éducateurs sport, mais on a à peu près entre 250 et 300 000 emplois hors ces fonctions-là dans le monde du sport. Je pense qu'aujourd'hui, il y a deux raisons de s'enthousiasmer, hein, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Je pense que la première raison, c'est que le sport se professionnalise. Ça, c'est un fait depuis 30 ans, mais c'est un fait qui s'accélère ces derniers temps. Et quand je dis le monde du sport se professionnalise, c'est le monde entier du sport se professionnalise et donc a besoin de personnes pour les accompagner dans leur professionnalisation, ou en tout cas dans leur structuration et dans leur gestion. Et ça, pour le coup, c'est un vrai virage là, depuis quelques années, peut-être dû, comme je vous l'ai dit, à une certaine baisse des subventions publiques, mais c'est aussi une opportunité dans les fédérations, dans les clubs, dans les structures sport. Et puis un point qui est peut-être un peu tarte à la crème, mais qui est quand même important de rappeler, c'est que sur les quatre prochaines années, on accueille quand même trois événements en France majeurs, que sont la Coupe du Monde de rugby, pardon, le championnat du monde de ski et bien sûr les Jeux Olympiques à Paris en 2024. Donc, et au-delà finalement de l'appel d'air que ça va faire sur le marché du sport, sur le marché de l'emploi, puisqu'on estime à quasiment 150 000, 200 000 emplois liés aux JO, ça va aussi créer un héritage. Alors on parle beaucoup de ça, de l'héritage des JO, mais il y aura aussi un héritage du sport et de l'emploi sport en France. Donc en fait, ça va aussi créer un appel d'air là-dessus sur la conscience, encore une fois, qu'il y a des choses à faire dans le sport, qu'il y a des projets à mener, qu'il y a de la gestion en fait à amener dans le sport pour le mieux de ce secteur-là. Donc ça, c'est les deux raisons de s'enthousiasmer. Et puis juste un petit constat aussi, comme je vous l'ai dit en introduction, sur le sport et la crise sanitaire. Alors je pense que vous avez tous entendu comme moi que ça a été la catastrophe. Avec Jean-JB, on ne va pas vous dire que ça n'a pas été. Il y a beaucoup de structures qui sont encore en difficulté. Je pense que tout ce qui est salle de sport fermée, ils ont clairement pas vécu une période Covid satisfaisante. Néanmoins, si on regarde les choses avec peut-être une autre approche, on peut voir que la période vraiment difficile a été plutôt la période d'arrêt des compétitions, qui ont un peu marqué un vrai temps mort autour du printemps été l'année dernière. Mais depuis, et notamment depuis 2021, on le note avec JB dans nos activités respectives, et notamment sur une notion de recrutement, hein, c'est aussi un indicateur intéressant, qu'il y a un vrai rebond, en tout cas, il y a une vraie quasiment retour à la normale de ce point de vue-là, avec des secteurs qui ont plutôt le vent en poupe. Hein. JB, je veux bien que t'en dises deux mots pour toi, de qu'est-ce qui marche particulièrement bien en ce moment. Bah, parce que c'est vrai qu'en fait, on ne fait que parler du monde du sport, pour le coup. Mais pour le coup, Imodou, on va répondre après à ta question, de même que Béatrice. Mais le monde du sport, si on prend au sens large du terme, ça peut être aussi la dimension e-sport. Et effectivement, c'est une dimension... c'est une dimension qui... Effectivement, en fait, c'est extrêmement bien porté pendant cette période où il n'était pas possible de faire du sport et où la compétition avait lieu plutôt sur justement les scènes e-sport. Et ça, effectivement, ça a été aussi un appel d'air en termes d'emploi. Concrètement, il y a des, encore une fois, dans cet écosystème e-sport, il y a des ayants droit, donc des équipes e-sport, par exemple, donc Vitality, MCVS, Team LDSOL, etc., qui ont effectivement...
dû grandir pour bah, justement gérer leur croissance avec des modèles qui restent encore à trouver puisque c'est encore pour l'essentiel des entreprises qui ne gagnent pas forcément de l'argent, donc sont encore en train de cramer du cash pour trouver justement un peu leur modèle, donc un peu en format startup. Des modèles aussi dans l'e-sport sur la partie agence, avec des agences qui se sont révélées pure player, c'est-à-dire spécifiquement sur l'e-sport, et aussi des agences à la base de marketing sportif qui ont commencé aussi à avoir évidemment l'opportunité, là où avant il y avait une considération qui était sincèrement assez faible de la part de ces agences-là. Et puis il y avait aussi des marques qui ont commencé à se dire qu'effectivement il y avait peut-être une redirection de leur budget sponsoring à mettre sur cette nouvelle, on va dire, vague, ou bien même faire le choix, comme Aldi par exemple, de mettre tout leur budget sponsoring sur cette dimension-là. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui était inimaginable il y a encore un an et demi, et c'est quelque part le Covid qui l'a rendu possible. Donc il y a cette dimension-là, il y a la dimension également il y a la dimension équipementier, on va dire, parce qu'en fait, vous l'avez vu, je vous ai parlé d'ASICS, mais tous les gros faiseurs équipementiers ou distributeurs ne se sont pas forcément trop mal sortis de cette crise, au contraire, avec des chiffres parfois records, puisque effectivement, et Étienne, je crois, en parlera après, le sport est devenu un vrai sujet, voire le sujet un peu pendant le Covid, à la fois négativement parlant, parce qu'effectivement c'était un secteur qui souffrait, mais aussi positivement, parce que c'était un secteur qui était nécessaire en fait à la société, était nécessaire aux personnes qui avaient besoin en fait de bouger, de sortir, et devenu limite un droit fondamental. Donc là-dessus, ça a permis à des entreprises comme ASICS, comme Puma, comme Nike, comme Adidas, d'avoir des croissances assez exceptionnelles d'un point de vue business, même si la réalité, on en parlait avec Étienne hier, la réalité économique ne suit pas forcément toujours la réalité RH, puisque pour le coup, certaines d'entre elles, le moment où elles se sont allégées concrètement, humainement parlant, ça c'est une manière lyrique de dire qu'ils ont eu un PSE, et pour le coup, dans ce cadre-là, effectivement, il n'y a pas forcément eu aussi beaucoup d'emplois générés pour certaines d'entre elles. Une autre dimension qui est aussi intéressante et qui amène à la troisième dimension qui est plus sur le digital, les acteurs pure player, quels qu'ils soient, je pense à du private sport shop qui est nos clients et qui a beaucoup extrêmement bien vécu cette période-là, je peux vous le dire, mais aussi des startups qui par définition sont présentes sur le digital, ont effectivement, comme Trendme, qui est un autre client qu'on accompagne, et qui ont vu en fait leur activité se développer à la fois en B2C, mais parfois aussi en B2B, parce que, et c'est là aussi où ça a été un vrai plus, entre guillemets, parce que le sport en entreprise est devenu, en tout cas l'activité sportive, en tout cas l'activité physique, pas simplement pour des personnes, mais pour des salariés, est devenu un vrai sujet business, en fait, au sens où les entreprises ont vraiment pris conscience que ce n'était pas forcément un sous-sujet qu'il fallait prendre au sérieux et qu'à la limite, ça devenait très intéressant, voire fondamental d'investir sur ces solutions-là. Donc ça a aussi généré la création, pour le coup, d'acteurs qui se sont engouffrés dans aussi des dispositifs légaux et étatiques et, pour le coup, ont pu effectivement se développer sur cette partie-là. Il y a un autre élément qui vient avec cette dimension digitale, c'est la data. Donc, par définition, avec le développement, Lucas, tu parlais de transformation tout à l'heure, avec quelque part l'appel d'air sur les ventes en ligne et sur tout ce qui pouvait être consommé quand on était encore confiné, il y a eu effectivement un nombre hallucinant de data qui ont été par définition récoltables et récoltées et qui a permis aussi de rendre ces postes-là très stratégique entre guillemets dans les entreprises, et ça j'en veux pour preuve un autre mandat sur lequel on est missionné pour Avasport, où là pour le coup on recherche un directeur data and insight, parce que la data devient vraiment ça fait encore une fois peut-être un peu tarte à la crème, parce qu'on l'a un peu entendu beaucoup avant, mais il y a des choses qu'on entend beaucoup avant mais qui n'avaient pas forcément de réalité économique métier, et maintenant effectivement ça devient une vraie aspiration. La dernière cinquième dimension, c'est toute la dimension
responsable au sens large du terme. Donc, on peut appeler ça les entreprises à impact, on peut appeler ça la RSE, on peut appeler ça, entre guillemets, un peu la raison d'être, si on a envie de prendre un peu de hauteur sur des sujets. Mais c'est effectivement des thématiques, des sujets qui sont devenus importants dans les entreprises, et notamment dans les entreprises qui, de près ou de loin, touchent au monde du sport, et sur lesquelles il y avait assez peu d'expertise, assez peu beaucoup d'agences qui pouvaient effectivement intervenir sur ces sujets-là. Donc, et clairement, vu ce qui s'est passé avec le Covid, les acteurs économiques, donc les entreprises, ont dû jouer un rôle plus important dans la cité et donc avoir effectivement cette dimension-là plus ancrée, même si évidemment, c'est pas nouveau, mais là, c'est devenu plus concret. Il faut peut-être que je réponde aux questions. Non, mais c'était important et c'était une bonne chose pour parce qu'on est là pour partager un peu de perso. Ce matin, j'étais en réunion avec Adidas et je peux vous dire que c'est même pas la dernière partie, c'est même pas important pour eux, c'est juste vital en fait cette notion du rôle de la marque et du coup du rôle du sport dans la société et comment un acteur comme Adidas peut contribuer à faire du sport, mais aussi contribuer tout court à une société meilleure. Enfin, c'est vraiment quasiment la question la plus prégnante, en tout cas dans les équipes françaises d'Adidas. Donc, c'est intéressant de voir. Je ne dis pas qu'ils n'avaient pas ça les années d'avant, mais je pense que c'était une partie de leur réflexion. Aujourd'hui, c'est leur priorité numéro une et leur réflexion numéro une. Et c'est intéressant et ça va aussi dans le sens de potentiels nouveaux acteurs qui vont se créer aussi dans l'écosystème sport, qui vont se spécialiser là-dessus ou avoir une vraie réponse pour des marques comme Adidas ou pour des acteurs privés ou des acteurs publics aussi, pour monter des projets, pour aller chercher des financements, etc. etc. Donc il y a une vraie dimension autour de ça. Et en effet, tu parlais tout à l'heure… Pour mettre du concret en termes d'entreprise, c'est des agences comme… 17 Sport, agence, je ne sais pas si c'était fini vraiment comme une agence, mais en tout cas, c'est des structures comme 17 Sport qui accompagnent voilà, des acteurs du monde du sport pour essayer de voir comment est-ce que cette dimension mission à impact, enfin, entreprise à impact peut concrètement en fait, exister, ou ça peut être aussi des agences comme VMatch, qui est aussi un autre client de Boost, qui pour le coup accompagne des marques, mais uniquement sur des partenariats collaboratifs, donc avec une dimension à chaque fois responsable dans le partenariat. Donc, effectivement, ce n'est pas un petit sujet. Aujourd'hui, il y a vraiment des acteurs même spécialisés sur ces sujets-là, ce qui prouve effectivement qu'il y a aussi des signaux faibles, entre guillemets, qui prouvent qu'il y a un marché qui est en train aussi de bouger sur ces sujets-là. Exactement. Et juste avant de passer à quelques questions, on a parlé de besoin du sport pendant ce Covid. C'est vrai que je pense que ça vous a tous, enfin j'imagine que tous les gens présents ici s'intéressent, voire peut-être sont passionnés de sport. Ça vous a tous, vous avez tous noté que cette période de Covid, en effet, a été marquée. On en a parlé relativement souvent de la pratique sportive nous manque. Il y a un vrai rôle, d'inclusion. Il y a un vrai rôle du sens collectif, presque de citoyenneté à travers le sport. C'est des choses qui aussi nous ont montré l'importance finalement de la pratique, l'importance de ce secteur-là, l'importance du spectacle sportif. On le voit bien, apparemment, ça a déconcerté nos bleus lors d'un match, d'avoir trop de monde dans le stade. On ne va pas revenir épiloguer là-dessus, mais juste pour vous dire qu'en tout cas, il y a besoin en fait, de cet écosystème sport et que c'est finalement cette période-là l'a prouvé d'une certaine manière. Est-ce que tu veux qu'on prenne quelques questions? Moi, pour les questions, moi, ce que je vous propose, c'est que vous les partagez à l'oral. Donc, par exemple, Béatrice, on viendra après sur Moudou aussi et Wessal. Béatrice, je vous laisse peut-être la poser pour mettre aussi un peu d'humain dans tout ça. C'est gentil de votre part, merci. En tous les cas, merci pour les partages. C'est vrai que par rapport à l'opportunité, vous parlez tout à l'heure d'opportunité, donc des 45 000 emplois liés au sport. Ben, c'est vrai qu'il y a Paris 2024 qui arrive, il y a Tokyo, je veux dire, ça génère des emplois, ça génère pas mal de prises de poste, des fois plus sur du ponctuel. Hein. Moi, je m'aperçois en accompagnant des athlètes de haut niveau que bien souvent, la réponse qu'ils me donnent, ils me disent qu'on veut vraiment transiter dans le monde professionnel. On se retrouve des fois
plutôt sur des propositions de poste qui restent soit des stages, des services civiques. Et c'est bien dommage parce que quelque part, on remplace quand même des postes opportuns et qui pourraient vraiment développer de l'emploi et avoir un salaire adapté. Je parle de ça parce que j'ai vécu ce moment-là où, en tant qu'athlète de haut niveau, où à un moment donné, en 89, je suis sortie de l'INSEP, il fallait vraiment que je retrouve une voie active. Et c'est vrai que l'avantage qu'on a, nous, le sportif, c'est qu'on a vraiment le goût du challenge, etc. Et tout. Donc, on a vraiment envie de montrer notre potentiel au niveau privé et public. Hein. Mais à un moment donné, la question que je vous posais, est-ce que vraiment dans ces opportunités à ce jour, il y a vraiment des postes stables, pérennes ? Parce que sur le coup, on se retrouve avec des sportifs qui vont plus se projeter sur des start-up, qui vont reprendre des fois des formations comme des PPGEPS et tout, et qui vont aller plus chercher dans le monde start-up, quoi, hein, profession libérale comme moi à ce jour. Jean-Baptiste, tu parlais d'Adidas qui était un de nos sponsors à l'époque au Stade Français en basket, hein, et je regarde les pubs tout ça et ce que je leur dis à mes coachés, je leur dis c'est dommage, il y a des contrats publicitaires des fois dans le sport de haut niveau, il y a pas mal d'opportunités qui pourraient se créer, mais ça reste juste un temps. Et dès que le sport s'arrête, des fois, certains, je ne dis pas tout le monde, hein, mais à ce jour, soyons clairs, hein, on a quand même un seuil de pauvreté qui est énorme, hein, dans le sport sur les athlètes. À ce jour, on est quand même sur des trucs qui restent du ponctuel. Donc, j'attendais un peu d'informations de votre part par rapport à ça et pouvoir permettre à d'autres sportifs de se retrouver là-dedans. Voilà, merci de l'écoute. Merci. Il y a plein de choses dans ce que tu as dit, je me permets de te tutoyer. Oui, pas de souci. Je vais peut-être donner juste quelques éléments de réponse rapidement, même si ça sera incomplet. Mais déjà, un, je ne suis pas un expert du sujet sportif de haut niveau post-carrière. Mais donc, c'est vraiment des considérations à prendre avec des pincettes. Mais oui, effectivement, il y a dans les sportifs de haut niveau, enfin, en tout cas, nous, on accompagne notamment des personnes qui sont des anciens sportifs de haut niveau, que ce soit en voile, en rugby, en cyclisme, et qui, à un moment donné, ont eu une carrière professionnelle et se sont dirigés vers le monde plus, justement, business. Puisque le switch vers le monde de l'encadrement, c'est un switch qui est classique, donc avec des formations, effectivement, brevet d'État, etc. Mais il y a effectivement, moi, je trouve, de plus en plus de profil de sportif de niveau qui arrive malgré tout à passer de côté de la barrière sur la partie business, aidé par des dispositifs étatiques, mais pas que, notamment aidé par des formations qui commencent aussi à se devenir possible pour des sportifs de niveau en complément de leur carrière, notamment en fin de carrière. Des formations qui sont parfois un peu chères, mais qui peuvent être aussi cofinancés par les représentations, enfin les syndicats des joueurs, notamment professionnels, joueurs ou joueuses, et par aussi une aide du CNOSF. Mais la vérité, c'est aussi que ça reste des personnes avec deux bras, deux jambes qui, effectivement, avant d'être sportifs de haut niveau, sont des personnes et vont effectivement se confronter aux réalités du marché de l'emploi. Et je pense notamment, effectivement, et là je rebondis sur ce que vous avez dit, au stage, puisqu'effectivement, c'est le. On pourrait dire que c'est la barrière, je dirais plutôt, c'est le sésame, qui souvent, en fait, permet de montrer effectivement ce qu'on veut, et permet derrière de transformer une envie, une volonté en un projet professionnel. Le monde du sport est en train d'évoluer et nous, on espère en tout cas faire en sorte de faire évoluer chez Boost, mais quand même, il reste encore avec ses codes. Et donc, effectivement, dans ces codes-là, il y a la difficulté parfois à faire confiance a priori, c'est-à-dire avant toute expérience. Mais voilà, ça, c'est un élément. Le deuxième élément, c'est l'alternance. Parce que mine de rien, dans les dispositifs aujourd'hui étatiques, il y a aussi beaucoup de soutien sur les dispositifs en alternance qui peuvent effectivement bien correspondre pour le coup à des sportifs de haut niveau pour qui le monde de l'entreprise ça reste aussi parfois une découverte, donc le mêler avec
justement une formation académique, ça peut être aussi un bon moyen de sortir par le haut. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. Etienne, tu veux rajouter quelque chose ? Oui, non, juste forcément d'un point de vue formation, nous c'est un sujet qu'on a commencé à travailler de manière sérieuse et processée depuis le début de l'année pour offrir des solutions, comme tu disais, des solutions tangibles aux sportifs de niveau, de formation, et pas que dans le sport, parce que c'est pareil, c'est une idée reçue que tous les sportifs de niveau veulent travailler dans l'écosystème sport après. Pas forcément, en fait. Ils ont cette passion-là, mais ils n'ont pas forcément cette vocation de travail. Donc voilà, de les accompagner dans leur formation et dans leur projet professionnel à la suite, en mettant en effet les formations d'Audencia, en les rendant compatibles à l'activité du sport de haut niveau. Wessal, tu voulais poser une question, je crois. Tu es encore avec nous? Peut-être que tu es encore en mute, je ne sais pas. Sinon, on va te donner la parole, Modou. Tu disais première balle. Si oui, bonjour Jubé. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, la question que je posais un peu, c'est, en vous écoutant, j'ai compris qu'à demi-mot, vous avez évoqué un peu, on va dire, la démarche un peu conservatrice, si le mot est bon, dans le milieu des ayants droit. Est-ce que quelqu'un qui a travaillé dans ce milieu-là et qui a donc forcément envie peut-être d'évoluer, de découvrir un autre monde qui offre peut-être beaucoup plus de perspectives de vue d'ensemble sur l'écosystème sportif, est-ce que ça peut être intéressant de faire plus ou moins une fixation sur un secteur comme l'univers des agences où on pense peut-être à tort ou à raison qu'il y a plus de perspectives de développement pour un jeune manager sportif. Voilà la question. Merci. Merci Modou. Pour moi, il y a deux choses dans ce que tu dis. Il y a le switch d'un univers vers un autre, parce qu'effectivement, c'est parfois compliqué pour certains de switcher d'un univers qui n'est pas le monde du sport au monde du sport. Et ensuite, il faut encore parfois se battre, entre guillemets, en tout cas se construire un projet professionnel pour éventuellement avoir de la diversité de parcours au sein de son univers sportif. Oui, clairement, c'est pas forcément simple, mais c'est loin d'être impossible. J'en suis la preuve vivante et j'ai pas fait non plus des pieds et des mains pour cela, mais ça dépend de ce que tu veux, toi, Modou. Si jamais il y a effectivement une envie de ton côté de vouloir se développer professionnellement, personnellement, sur un mix d'aptitudes qui t'amène à aller à la fois chez les endroits, mais aussi en agence, mais aussi ailleurs, très bien. Mais il y a aussi des personnes qui vont adorer se développer au sein de la famille des ayants droit et ils vont aller d'un ayant droit éventuellement à un autre. Et ça leur attire très bien. Donc, ça dépend beaucoup du projet. Il y a des passerelles qui sont évidentes, puisque ça reste quand même un peu la même famille, au sens large du terme. Par contre, effectivement, il y a un deuxième point que tu as mentionné, c'est sur la dimension agence, où tu disais, c'est peut-être là où il y a le plus de perspectives. C'est clairement là où il y a la possibilité, effectivement, de s'épanouir professionnellement dans un début de carrière, si la question est celle-ci. Parce qu'effectivement, c'est généralement plus ouvert. Il y a généralement plus de stages qui sont proposés. Et il y a effectivement de la concurrence. Il y a plus de stages. Parfois, il faut se battre à la fin de son stage pour être celui à qui on va proposer un CDD, puis ensuite un CDI. Mais au moins, il y a cette opportunité-là. Donc, il y a mon associé qui avait fait un article sur, grosso modo, pourquoi est-ce que ça a du sens de commencer sa carrière en agence. Et j'y souscris à 200%, parce qu'effectivement, j'y souscris, alors je ne l'ai pas fait moi, mais j'ai vu effectivement la richesse que ça pouvait apporter, parce qu'on est sur une multiplicité de sujets, on a des regards des croisés, des horizons assez intéressants. Sans être forcément un expert d'un sujet ou d'un univers sportif. Donc, effectivement, c'est souvent, en tout cas, ça peut être malin d'orienter sa recherche en fonction, encore une fois, de ses aptitudes, de ses envies, vers un univers qui serait peut-être plus agence. Pour la personne qui était ex-directeur des ventes, peut-être, effectivement, que cet univers des agences peut vous correspondre, mais l'univers des agences, c'est aussi une culture d'entreprise qui est différente que la culture d'entreprise
ayant droit ou annonceur. Donc, encore une fois, il faut voir un peu tous les ingrédients qui sont sur la table quand on choisit une prochaine expérience professionnelle et voir effectivement la meilleure option possible. Donc oui, à 200% oui pour évoluer d'une famille à une autre, et en particulier dans le monde des agences. Voilà pour moi. Est-ce qu'on a une autre question? Je ne sais pas si Wessel est revenu. Oui, je pense que vous arriverez à m'entendre maintenant. Oui, très bien. Oui. Bonjour. Ok, bonjour. En fait, ma question, il est à double sens, on va dire. Je suis très intéressée par le secteur privé, à savoir les opérateurs de fitness. J'ai déjà 8 ans d'expérience. Je suis senior marketing manager actuellement. Donc, je vais faire une reconversion. Je suis dans le secteur bancaire. Et donc, je suis intéressée par les opérateurs de fitness, savoir les grands opérateurs ou bien les clubs de sport, ou bien, on va dire aussi le côté public, le secteur public en tant que chargé de mission. Et sincèrement, je n'arrive pas à voir plus clair la différence entre ces deux univers, si je peux me permettre. Voilà, toujours le. Alors, je suis intéressée par le management, bien évidemment. Je veux occuper un poste de manager. Donc, je voudrais bien avoir une idée sur la différence. Quand j'ai parlé d'opportunités, c'est-à-dire en termes d'offres d'emploi, à travers des statistiques, des chiffres, pour voir plus clair. Alors, je ne sais pas si on peut rentrer dans un sujet très, très spécifique, mais. Là, ce que j'ai à dire moi là-dessus, c'est que vous l'avez remarqué, Étienne en a parlé, les acteurs du fitness ne se sont pas forcément très bien portés ces derniers mois, simplement parce qu'ils étaient fermés. Par contre, ça veut dire qu'il y a des problématiques justement d'acquisition, de rétention, du marketing qui peut être intéressante, notamment parce que couplé avec le sport en entreprise, la possibilité d'aller notamment en salle pour pouvoir bénéficier de cours, les entreprises ne peuvent pas forcément faire dans leurs locaux. Donc, effectivement, là, vous l'avez peut-être vu, il y a aussi eu, par exemple, une levée de fonds sur Gympass qui n'est pas exactement de l'acteur, on va dire, de l'établissement sportif, mais qui montre que c'est un sujet, coaching sportif, qui est en train, effectivement, de se démocratiser et donc de s'étendre. Donc, oui, il y a des opportunités sur ces sujets-là. Il faut rester à l'affût à la fois des entreprises qui vont bien et qui lèvent des fonds et qui se développent et qui ouvrent, qui développent leur réseau physique, mais aussi des entreprises qui parfois en fait ont souffert, doivent parfois s'alléger sur forme de profil. Mais en fait, une personne, une entreprise qui s'allège, la semaine après, je vais capturer un peu, a de nouveaux profils pour justement redonner une dynamique à son développement. Donc, faut avoir le double regard un petit peu sur ces sujets-là. Après, sincèrement, votre point sur la différence entre des opérateurs privés, essentiellement sur le fitness, et chargés de mission, mais là, pour vous, je ne l'ai pas. Chargé de mission dans quoi, faire quoi, je ne l'ai pas forcément. Donc, sinon, vous répondez. Ouais, juste en complément là-dessus, JB, je pense que la principale différence entre le privé et le public, c'est quand même l'objectif de la structure. On peut se le dire, un acteur privé, son objectif, c'est de générer un chiffre d'affaires conséquent pour faire marcher une structure, donc avoir une démarche commerciale importante, etc. Un acteur privé, c'est de développer, notamment dans le sport, c'est de développer la pratique. Avec des enjeux qui sont autres, des indicateurs de performance qui seront autres, etc. etc. Ça, c'est sûr. Après, en termes d'emploi, aujourd'hui, même si on a dit en introduction que le sport se professionnalisait et que également la sphère publique, ou en tout cas certains acteurs publics, souhaitent se doter de managers, etc., je pense que ce qui est quand même une réalité, c'est qu'aujourd'hui, il sera peut-être un peu plus simple d'intégrer un acteur privé qu'un acteur public comme une collectivité locale en sachant qu'on vient du privé. C'est plus simple, je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais c'est plus simple et relativement plus immédiat. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main et c'est Axel.
Yes, bonjour, bonjour à tous les deux, bonjour à, bonjour. À toutes les autres personnes. Alors moi, je suis à Audencia, à Sciences Com, précisément. Et donc, j'avais une question sur les parcours professionnels et la diversité aussi des métiers liés à la communication, aux médias. Vous en avez un petit peu parlé. Vous avez surtout dit que, enfin, vous en avez encore parlé il y a quelques secondes, la professionnalisation du sport et... J'ai l'impression, vous allez me contredire ou pas, que ça s'accompagne aussi d'une plus grande appétence au niveau des fonctions communication. Et donc ma question, c'est à la fois quels sont les parcours et les carrières possibles sur ce secteur-là, et à la fois à la fois dans l'écosystème agence et puis ayant. Merci par avance. Ouais, super, merci. Merci pour la question. Je te laisse commencer, JB, ou tu veux que je... Axel, j'ai envie de te dire, la bonne nouvelle, c'est que les trajectoires ou les options, en fait, elles sont infinies, quoi. C'est-à-dire que si ton axe, c'est la communication, il faudra préciser un peu, parce que la com, en fait, ça peut être beaucoup de choses. Donc, il faudra essayer de voir un peu c'est quoi en particulier ce qui t'intéresse. Mais, je suis en alternance dans une agence de relations presse, par exemple. Mais c'est beaucoup plus large. Les choses qui m'intéressent, c'est à la fois les relations médias et les relations publiques. Ouais. Désolé pour ce petit... Non, c'était une question en creux, donc tu as bien fait d'intervenir. C'est effectivement, beaucoup... côté agence, il y a des agences de relations très spécialisées dans le monde du sport, en tout cas qui ont beaucoup de clients dans le monde du sport, comme... par exemple Olivia Payerne, donc c'est des agences souvent qui sont éponymes, ou bien même des agences Avasport qui a un département RP au sein de ses départements. Donc c'est la dimension RP au sens relation presse, pas au sens relation publique, donc au sens hospitalité. Effectivement, c'est très présent dans le monde du sport, pas très présent et forcément pas forcément beaucoup plus présent que dans d'autres secteurs. Mais sauf que c'est souvent plus simple d'intéresser des médias à ce sujet-là, parce que ça touche un peu tout le monde du sport, c'est pour ça que c'est sympa. Et après, tu disais que aussi des sujets de relations médias, beaucoup sur les sujets de relations médias, effectivement, il peut y avoir l'intérêt de bosser en agence RP, mais il peut être aussi intéressant de travailler directement chez un média ou chez un ayant droit qui a besoin de médias pour médiatiser son sport. Que ce soit des médias privés qui sont capables d'acheter des droits pour diffuser les compétitions, ou que ce soit des médias, on va dire, qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter, n'ont pas forcément l'envie si le sport est mineur. Et pour autant, il y a des problématiques de prise de compte, d'éclairage à apporter sur des sports mineurs. Donc, sincèrement, il y a, quand on fait com, RP, / sport, il y a plein d'horizons qui peuvent se dégager. Les agences, les ayants droit, en indépendant aussi, il y a de plus en plus d'indépendants avec le développement des plateformes, notamment Malte et d'autres plateformes qui peuvent permettre aussi à des indépendants de travailler dans le monde du sport, notamment une agence qui s'est créée qui s'appelle Five, qui a été créé par un ancien du MOS d'ailleurs, et qui permet à des indépendants de trouver leur place dans le monde du sport, dans lequel il doit y avoir probablement des indépendants spécialisés sur des sujets communication RP et qui travaillent à la mission pour des clients. Donc, il y a sincèrement, l'avantage, c'est que le champ des possibles est très large. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question. Ce n'est pas évident de répondre précisément à une question parfois aussi intéressante. Ouais, ouais. Ça donne des idées en plus avec les noms que vous avez pu évoquer. Merci beaucoup. De rien. Thibaut, tu as levé la main. Salut Thibaut. Oui, bonjour à tous et bonjour à tous les deux. Moi, je suis un ancien élève du MOS de mémoire pour la dernière promotion avant que Étienne prenne la direction. Et aujourd'hui, je travaille dans le conseil et je voulais revenir sur ce que tu as dit, JB, en introduction. C'est quelque chose qui m'a marqué. Tu as dit que tu avais travaillé chez ASICS en marketing et que tu n'avais pas du tout eu l'impression de travailler dans le monde du sport. Et du coup, j'aimerais en savoir un peu plus à ce sujet-là, parce que c'était quelque chose que je l'envisageais aussi. Avec plaisir.
juste en intro, remarque partagée par pas mal de gens qui travaillent sur les équipementiers de temps en temps. Enfin, j'ai déjà entendu forcément via JB, mais t'es pas le seul à me l'avoir mentionné. C'est vrai pour les équipementiers, c'est même vrai pour les annonceurs parfois, des personnes qui sont chez ADECO, la Société Générale, ou Crédit Agricole ou d'autres annonceurs beaucoup très présents dans le monde du sport. Bon, bah, au final, est-ce qu'elles sont vraiment dans le monde du sport? Quand on parle un peu avec elles, elles n'ont pas forcément l'impression de vivre vraiment dans leur, entre guillemets, passion, en tout cas dans un univers qui les passionne particulièrement. Donc ça, c'est aussi intéressant parce que tous les postes ne se valent pas. Il y a des personnes, notamment nous, qu'on accompagne, qui réfléchissent à des transitions professionnelles et finalement se rendent compte dans leur parcours, dans leur cheminement, que la dimension sport au sens vraiment terrain, rapport au terrain, et je pense notamment à une personne qu'on a accompagnée sur un grand club de top 14, voilà, en fait, c'était une dimension qui était si importante pour elle qu'il a voulu garder ça dans le cadre de son futur professionnel, alors que ce n'était pas forcément quelque chose initialement qui était conscient de sa part. Pour revenir sur ta question, oui, moi, quand j'étais chez Aziz, j'ai comparativement, c'est important ce mot-là, parce que j'avais vécu des expériences avant dans le monde du sport, beaucoup, pas eu l'impression d'être dans le monde du sport, parce que je schématise un peu, et ce n'est pas du tout contre les équipementiers et les annonceurs, mais moi, mon boulot, à la fin, c'est d'aider des commerciaux à faire en sorte que un maximum de produits soient achetés par des distributeurs ou bien un maximum de produits soient achetés par des personnes qui ont envie de nous acheter nos produits sur notre site internet. Je caricature un peu, ou nos boutiques. Aziz a des boutiques sur Paris, mais aussi. Et donc, en l'occurrence, au final, c'est un boulot qui est très marketing, qui est une industrie qui... En fait, j'aurais été chez Naf-Naf ou chez Petit Bateau ou chez... Mon poste aurait été peu ou prou le pareil. La seule différence, c'est qu'effectivement, les articles que l'on vend, essentiellement des footwear, mais aussi du textile, de l'appareil, permet de faire du sport. Donc, effectivement, bon, on a un peu plus de sport dans, je caricature un peu, nos présentations, un peu plus de sport dans la culture d'entreprise. Mais globalement, c'est une marque qui vend des produits. Donc, voilà. Après, quand même, la différence, c'est que dans mon équipe, il y avait notamment une équipe qui était en charge de ce qu'on appelle le sports marketing, donc des personnes qui sont là pour gérer les relations avec les ayants droit que ASICS a en partenariat. Donc, ça peut être Novak Djokovic, comme ça peut être le Stade français à l'époque ou le Marathon de Paris. Et là, il y a des équipes qui étaient dans mon équipe résultat qui étaient dédiées à la gestion de ces partenariats-là. Et eux, à la limite, dans l'équipe marketing ASICS, sont ceux qui sont quelque part le plus proche du monde du sport. Une personne qui est au trade marketing chez ASICS, donc qui est en relation avec je sais pas, Intersport, par exemple, ne va pas forcément vivre le sport au jour le jour. Pas du tout, même. Son boulot est vraiment très similaire à un boulot de trade marketing chez Naf-Naf ou chez Petit Bateau, pour reprendre les deux exemples. Donc c'est ça, en fait, la grosse différence. À l'inverse, à la Fédération française de football, quand vous êtes à la Fédération française de football ou dans un ayant droit de manière générale, vous vivez le sport parce que vous êtes dans les organismes qui organisent le sport. Donc vous êtes parfois bord terrain, vous êtes parfois sur ces événements-là. Et en agence, c'est un peu entre les deux. C'est un peu entre les deux, parce qu'en agence, on a parfois le vilain défaut. Le défaut, pas forcément. En tout cas, on a une dimension opérationnelle assez importante, ce qui fait qu'on peut effectivement dérouler, s'occuper des partenariats sportifs d'un annonceur et donc être, je ne sais pas moi, à la société, et être sur la finale de Top 14 en train de filmer la remise du trophée du bouclier de Brennus en étant chez Publicis Sport, en bossant pour le compte de la Société Générale, par exemple. Donc, effectivement, là, on est plus proche du terrain. Est-ce que j'ai répondu un peu à ta question? Oui, exactement. C'est une remarque que je m'étais déjà faite, d'ailleurs, puisque j'ai travaillé aussi chez Lagardère Sport. Et c'est vrai qu'en fait, ce qui donne l'impression à la plupart des gens de travailler vraiment dans le sport, c'est le côté plutôt opérationnel. Être proche du sport en lui-même, de l'organisation du sport, du terrain, plutôt que tout ce qu'il y a autour, comme la distribution des produits, la signature de contrats de sponsoring, etc. Et c'est vrai que c'est une remarque qui est intéressante parce que, de fait,
ça exclut pas mal de fonctions qu'on considère dans le sport, du scope des gens qui veulent vraiment travailler dans le sport et dans l'opérationnel. C'est pour ça que si on revient sur la thématique initiale de comment réussir un projet professionnel dans un univers passion, le sport, il faut commencer par, entre guillemets, en avoir un, en tout cas se poser la question de, en double-cliquant à chaque fois sur « mais qu'est-ce que ça veut dire ?» sur « quand je veux bosser dans le monde du sport, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que j'ai envie de retrouver comme horizon professionnel, comme vie au jour le jour, comme type de collègue, comme type d'entreprise ? Où est-ce que j'ai envie de travailler en termes de localisation ? Est-ce que je suis dans une dimension commerciale et j'ai… Et en tout cas, je serais à l'aise à être dans une structure commerciale ou est-ce que c'est plus le public ? Est-ce que, effectivement, pour moi, l'aspect opérationnel, comme tu disais, ou terrain est très important ? Et auquel cas, il faut peut-être, comme tu disais, ne pas se porter sur certains boulots. C'est une vraie belle question qui est posée parce que ça permet effectivement à chaque fois de se poser les bonnes questions sur ce qu'on veut professionnellement demain. Très instructif. Merci beaucoup. JB, avant de passer à la question d'Océane, je voulais juste qu'on revienne sur le terme de passion, qu'on n'a pas fait le Larousse de la passion au début. On va pas partir dans la philosophie, mais parce que c'est un terme qu'on voit souvent, toi et moi, dans nos rôles respectifs, comme une introduction, je suis passionné de sport, comme un passeport en fait d'accession à cet univers-là. Vous avez fait récemment chez vous, sans plus, quelques articles là-dessus sur les réseaux. Ouais. Je pense qu'on partage la même idée, c'est-à-dire que c'est intéressant, mais c'est loin d'être suffisant. Est-ce que tu peux développer là-dessus ? Concrètement, c'est je caricature un peu, mais les personnes qui commencent leur acte de candidature sans forcément parler d'une lettre de motivation ou de voilà, en tout cas qui viennent à nous. Cabinet de recrutement spécialisé plutôt dans les univers passion en commençant par je suis passionné par. C'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est pas ce qu'on a envie d'entendre dans un premier temps. Donc, dans un premier temps, effectivement, je vous invite à réfléchir vraiment en plus en termes d'aptitude plus que de compétences, c'est-à-dire vraiment en termes de choses que vous savez faire. Et voilà, listez-vous juste bêtement la liste des choses que vous savez faire. Donc, je sais plus verbe plus objet. Et essayez de voir un peu concrètement avec des mots simples, pas de jargon, ce que vous savez faire. Et c'est ça, en fait, ce qu'un bon recruteur, j'ai envie de dire, va aller chercher, c'est des aptitudes et une capacité, effectivement, à performer dans un job. Il s'avère qu'effectivement, si en plus de ça, il y a un vernis, des codes, enfin, et en rapport avec le monde du sport, ça peut effectivement faciliter des dimensions plus relationnelles, d'intégration, d'onboarding, etc. Mais ce n'est pas forcément, en fait, le sésame ou le passeport, comme tu disais, Étienne, que nous, en tout cas, chez Boost, on va regarder. Et globalement, si jamais une personne vous recrute pour ça, ça peut être inquiétant parce qu'effectivement, ce n'est pas forcément les bonnes raisons. Et donc derrière, ça ne vous permettra peut-être pas de vous épanouir autant que ce que vous pourrez le faire si jamais vous arrivez dans une boîte qui cherche quelqu'un avec des aptitudes, ou en tout cas un potentiel à se développer sur un certain nombre d'aptitudes, et qui a également un vernis. C'est pour ça que dans un CV aussi, c'est très old school CV, mais en même temps c'est très important, c'est le seul endroit où on se narre, c'est le seul endroit où on se raconte. Dans un CV, il ne faut pas forcément cacher ça, au contraire, il faut l'assumer, mais par contre, il faut le mettre en soutien d'un pitch qui est plus rationnel. Avec vos expériences, votre parcours académique, vos expériences professionnelles, associatives, vous essayez de rassurer la personne, et avec vos centres d'intérêt, vos passions, vous essayez aussi de créer de la connexion et de séduire aussi un peu plus la personne, parce que la personne qui vous recrute, elle va avoir le plaisir de travailler avec vous. Donc, il faut qu'elle vous sente aussi. Il faut qu'elle vous sente comme capable d'eux, mais aussi avoir envie de passer en fait le plus clair de ses journées avec cette personne-là. Donc, en second rideau, comme on pourrait dire, parce que sinon, vous n'allez pas vous démarquer de la concurrence, entre guillemets. Et Dieu sait que la concurrence n'est pas neutre. Oui, et puis cette notion de passion, en fait, on peut aussi la rattacher aux organisations elles-mêmes. En fait, je pense que le sport a longtemps été un univers de passionnés, presque uniquement de passionnés. Comme on vous l'a dit, et moi je voulais répéter, le fait que ça se professionnalise, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est devenu un monde d'abord d'organisation et d'entreprise
voilà, qui cherchent à générer à la fois du business, à la fois de l'attachement pour les marques, etc., etc. Donc en fait, ça ne veut pas dire qu'il faut dépassionner les débats parce que la passion sera toujours là. Par contre, la passion, elle peut avoir un rôle relativement irrationnel parfois dans les décisions. Et les organisations, notamment les organisations professionnelles, veulent de moins en moins d'irrationnel dans le sport. Donc, je pense que c'est important de l'avoir, mais il faut toujours le mettre au service, comme tu le disais, JB. Il faut toujours que ce soit au service des compétences, au service de l'envie, au service de... parce que ça peut éventuellement, au moment d'une candidature, ou même au moment de décision hein, dans les entreprises, faire défaut. Et puis, posez-vous toujours la question à ce moment-là de dire, bon, bah, ok, je suis supporter de ce club-là, par exemple. C'est un exemple que je donne souvent à mes étudiants. Est-ce que je serais capable, en back-office, de prendre les bonnes décisions pour la gestion du club ? Avec cette casquette de supporter. Je sais pas, je vous laisse avec la question, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de se la poser et donc de mettre la passion sur quelque chose voilà, qui est plutôt de l'entrain, de l'envie, de faire progresser, etc. Et c'est peut-être pas un hasard si JB et moi, on a commencé dans le foot tous les deux, alors que ça nous intéressait, mais de relativement loin, et puis on s'est intéressé à cet écosystème, avec la passion du sport dans sa globalité, pour ses valeurs, pour le spectacle sportif, plus que vraiment supporter d'une équipe, d'un club, etc. Yes. Est-ce qu'il y avait encore... Je crois qu'il y avait une question encore. Il y avait Océane qui nous a levé la main. Pardon, Océane, on a un Bonjour, peu Océane. Fait durer. Bonjour. Oui. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Oui. Ok, super, merci beaucoup. Bah, bonjour à tous. Donc, moi, c'est plus une question un petit peu plus personnelle parce que je suis actuellement au programme en école de Dencia et je viens de finir ma première année. Et ça fait longtemps que le monde du sport m'attire un peu l'œil parce que j'aime bien ça et que je suis aussi ceinture noire de judo et je me suis dit que c'était quelque chose d'intéressant pour mon projet pro, mais à la fois, je ne suis pas certaine et j'hésite. Parce que bientôt, les candidatures du MOS, ça va être l'année prochaine. Et j'aimerais bien avoir, dès janvier, une première expérience professionnelle dans le sport sur un stage de 6 mois, sachant que je n'ai pas pu en avoir plus tôt. Et en fait, en plus de ça, je dois la trouver à l'étranger. Et je suis un peu perdue parce que j'ai l'impression de vouloir aller tester, tâter le terrain dans ce milieu-là sans forcément avoir de procédure, de ligne directrice et de savoir vraiment vers quoi aller chercher. Sachant que je pense dans mon projet professionnel que j'aime bien ce qui est gestion de projet et peut-être un peu événementiel, mais j'ai vraiment besoin d'être dans un endroit, et ça fait écho avec les questions d'avant, dans quelque chose qui touche au terrain, parce que là par exemple je suis actuellement là, dans mon bureau dans un autre stage, je suis devant un ordinateur et voilà, je sais que c'est pas ce que je veux faire. Donc voilà, je voulais savoir si vous avez des petits conseils par rapport à cette recherche de première expérience dans le monde du sport qui pourrait faire avancer mon projet pro en ce sens. Moi, je peux déjà faire un feedback. Comme on dit, feedback is a gift. C'est hyper clair ce que tu as dit. C'est limpide, quoi. C'est-à-dire que tu te poses effectivement une question en termes de comment c'est-à-dire, tester ça et est-ce que c'est la bonne voie. Mais par contre, le constat... et puis la manière de l'exprimer, ce qui est important, est hyper clair. Donc déjà, bravo pour ça, parce que ce n'est pas forcément évident quand on est... Merci. Pour de vrai, hein. C'est très clair, donc bravo. Et après, si on parle plus du contenu, tu veux peut-être commencer, Étienne, cette fois-ci ou... En fait, je veux bien commencer. Je ne sais pas si derrière, il y a une question qui revient souvent, peut-être pas, hein. Peut-être c'est de la lecture de pensée, mais qui est... et peut-être qu'on la traitera du coup après parce qu'elle est quand même importante. Est-ce que m'engager dans le sport un peu tôt, est-ce que c'est pas me griller, est-ce que me spécialiser dans le sport, c'est pas me sortir de toutes autres opportunités? Encore une fois, Océane, c'est peut-être de la lecture de pensée, peut-être parce que cette question revient souvent. Si c'est pas le cas, tu nous dis et on la traitera juste après parce qu'elle est quand même importante. Si, oui, si, non, ça va complètement dans ce sens. Si, si, complètement. Ok. Donc pour répondre à ça, j'ai envie de te dire, reprends ce que JB il a dit juste avant sur les rôles chez ASICS, quoi. Finalement, un rôle chez ASICS peut être comparable à un rôle chez Petit Bateau. Qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est qu'on est quand même dans la partie business, enfin, la plupart viennent d'école de commerce ou de management,
On est quand même sur une partie business avec des codes et des objectifs qui restent globalement les mêmes. C'est-à-dire que qu'on travaille chez ASICS, chez Havas, chez ASO, chez, à Bercy, au Stade de France, au PSG, etc. Les objectifs, allez, j'ai cité PSG, c'était mauvais exemple, mais les objectifs restent globalement, pas le mauvais exemple d'un point de vue supporter, plutôt d'un point de vue aléa. Mais bon, je vais y revenir rapidement. Mais les objectifs restent les mêmes, c'est-à-dire de générer du business, de générer de la valeur d'une certaine manière. Et en fait, ça, vu que l'objectif reste le même, les tâches peuvent à la rigueur un petit peu différer, mais globalement, ce qu'on attend d'un chef de produit chez ASICS ou d'un chef de produit par ailleurs, c'est globalement la même chose. Donc, les compétences que vous développerez dans ce secteur-là ne seront pas radicalement différentes et seront même relativement, très facilement, réadaptables et revendables par ailleurs. Ça, c'est le premier point. Honnêtement, il n'y a vraiment pas de... Enfin, il n'y a pas de spécificité ou de « Ah, tu n'as bossé que dans le sport, donc tu ne connais rien au reste, en fait. » C'est assez faux, parce que d'ailleurs, dans la plupart des boîtes, c'est assez perméable. Moi, je vous ai dit, j'ai bossé pendant 9 ans chez Coca-Cola. J'ai travaillé notamment sur le sport, mais j'ai travaillé de manière très, très précise sur la musique, très, très précise sur la mode, sur l'entertainment, sur le gaming, etc. Parce qu'en fait, on était sur les territoires passion et pas que sur l'univers passion. Et que finalement, les ressorts sont à peu près les mêmes. Donc en fait, on peut revendre ces expériences de manière assez, assez facile. Et je dirais même, du coup, là, j'intègre le PSG dans les exemples, je dirais même que le sport amène un aléa, du coup, de l'aléa sportif, une complexité à la prise de décision, une complexité à la gestion de projet qu'on retrouve assez rarement, et puis une complexité de gérer l'irrationnel qu'on retrouve assez rarement dans les autres métiers. Donc, à la rigueur, on pourrait même, parce qu'on est forcément là-dedans, mais on pourrait même tourner les choses ultra positivement en se disant, mais aller dans le sport, c'est aller dans un univers particulièrement complexe qui va apporter, une capacité de réflexion, une capacité d'adaptation, de réactivité supérieure à d'autres secteurs. Là, peut-être que je tire un peu la pelote, mais j'en suis assez convaincu. De par ces biais, notamment d'aléas sportifs, de réactivité instantanée, etc. etc. Je vous imaginais bien que chez Nike, à la FFF, un peu partout, là, cette semaine, ils ont dû penser les choses un petit peu différemment de ce qu'ils avaient en tête, il y a quelques jours. Donc, ça nécessite vraiment un état d'esprit assez malléable et adaptable, ce qui est ultra revendable et revendeur pour d'autres boîtes. JB ? Je comprends tout à fait. Excusez-moi, je voulais juste rebondir rapidement dessus. Mais en fait, ce que je me dis, moi, même si c'est encore flou, c'est que peut-être que moi, ce qui m'intéresse dans le sport, ce n'est pas la partie business, mais la partie plus événementielle. Et moi, on me dit, pour être totalement transparente avec vous, et c'est peut-être un gros cliché, que c'est un secteur très instable et ce genre de choses. Et ça fait un peu peur. Et après, j'ai peur que si je m'engage dans ce genre de secteur, là, pour le coup, ce soit un petit peu peut-être plus compliqué de rebondir par la suite. Je ne sais pas comment ça peut se passer. Enfin, c'est juste des questionnements, en fait. Tu veux, je continue ou tu vas? Non, moi j'ai levé la main. Vas-y, bah, t'as levé la main, vas-y, alors prends la parole. Je vais prendre la parole pour répondre, parce qu'il y avait aussi des sujets très concrets dans ce que tu racontais, dans les choix que tu dois faire. Déjà, je pense que le fait de transiger comme tu le fais là, en étant dans ce type de webinaire, c'est une bonne chose. Mais peut-être que ça peut justement te donner envie, slash être... le déclic pour peut-être commencer aussi à creuser le sujet en demandant des échanges one-one avec des personnes qui sont dans le monde du sport, pourquoi pas dans l'événementiel sportif, que ce soit chez ASO, à l'UTMB, dans un club de foot, parce qu'il génère tous les week-ends du événement sportif. Et ça, pour le coup, ça peut être vraiment très intéressant, voilà, que tu continues en fait, que tu fasses ta propre idée en essayant de confronter les avis. Si tu ne l'as pas déjà fait, ça peut être... et même si tu l'as déjà fait, c'est infini comme sujet. Donc, effectivement, aller au-devant d'un certain nombre de personnes qui peuvent peut-être t'apporter un regard qui peut être intéressant, ça peut être bien. Parce que là, malheureusement, il est 54, on ne pourra pas faire beaucoup plus. Le deuxième, c'est sur le stage. Est-ce que, de ce que je comprends, tu dois faire un stage en janvier à l'étranger? Je fais ce qu'il ne faut pas faire en coaching, mais là on n'est pas en coaching. Je donne un conseil, c'est moi, si j'étais toi, vu ce qui est fort chez toi, là, c'est la dimension gestion de projet événementiel.
c'est pas gestion de projet événement, c'est gestion de projet événementiel. Tu peux très bien aller dans une grosse agence dans un organisateur d'événements à l'étranger, ça sera plus simple. Tu n'es pas obligé d'être dans l'univers sportif parce que c'est encore une fois, comme le disait Étienne, des aptitudes seront largement transférables. Donc moi, mon conseil, ce serait plutôt de prendre un stage à l'étranger dans un univers qui te permet de travailler tes aptitudes d'événementiel, de gestion de projet. Parce que j'ai peur que ça soit compliqué pour toi de trouver un stage à l'étranger sur le sport, dans l'événementiel sportif. Donc aussi, par principe de réalité, ça peut être bien de faire ça. Et après, il y avait la question du MOS, et là, beaucoup, ça revient un peu sur ce qu'a dit Étienne. Le MOS, c'est un vernis sport, en fait. Donc, en soi, t'inquiète pas, tu vas faire un certain nombre de matières qui vont, dans tous les cas, en fait, te servir. Et c'est juste que quand tu vas étudier... je sais pas, la gestion financière, tu vas prendre l'exemple de l'Olympique Lyonnais. Mais au final, tu vas étudier la gestion financière. Donc, le bagage académique, il reste généraliste avec le vernis sport pour rendre la chose plus intéressante de facto. Donc, voilà, moi, si j'étais toi, je serais sûr. Échanger avec des personnes pour confronter les avis, chercher un stage, pas forcément dans le monde du sport, parce que tu dois le chercher à l'étranger, donc plutôt événementiel. Et ne pas te mettre de barrière parce que effectivement le MOS ne te condamne pas du tout, ne t'empêche pas du tout, au contraire, de bosser dans d'autres univers que le monde du sport. Merci beaucoup pour vos réponses. C'est très intéressant, merci. Super. Il nous reste 4 minutes et 2 mains levées. Alice, est-ce que tu as une question rapide à nous poser ? Oui, c'est très rapide. Mieux possible. Bonjour. Bonjour Alice. Bien. Oui. En fait, moi, c'est complètement en lien avec la question d'avant d'Océane, parce qu'en fait, je suis exactement dans la même situation, sauf qu'actuellement, moi, je suis en deuxième année à Sciences Po et je rentre en troisième année l'année prochaine, et j'ai également un stage à faire à l'étranger, voilà, tout pareil, les mêmes caractéristiques, et seulement, en fait, je me demandais, donc, par rapport à sa question, d'avoir, en fait, un métier dans le management du sport, mais qui soit assez terrain, donc voilà, qui soit pas forcément en marketing comme chez ASICS ou quelque chose comme ça. Vous qui connaissez donc bien le milieu de tout ce qui est les métiers autour plutôt vraiment du sport, quel type de métier à la fois terrain et à la fois avec les compétences qu'on va développer pendant l'EMS à Audencia, quels sont les métiers en fait qui correspondent à la fois cette envie de terrain et à la fois à la formation qu'on recevra à Audencia ? Et à ta formation initiale aussi, puisque tu as une formation initiale. Oui, mais alors on n'a pas appris grand-chose, mais oui. Oui, mais justement, tu as appris à te démêler dans n'importe quelle situation, peut-être. Donc, moi, j'ai un peu envie de te retourner la question, parce qu'en fait, la réponse est peut-être chez toi, comme d'hab. Dans un monde idéal, tu te vois où ? Jusqu'à maintenant, en fait, j'envisageais, par exemple, être chez Salomon en responsable RSE, parce que je suis aussi très axée sur l'environnement. Mais donc voilà, dans une marque comme ça, mais c'est vrai que j'avais pas pensé à votre réflexion de le fait d'être dans une marque finalement, qu'on soit chez Petit Bateau ou chez Salomon, ce sera la même chose. Et donc j'avais pas du tout anticipé cette dimension là. Ok. Retour d'expérience, JB, rapido. Moi j'ai fait je vous en ai pas forcément parlé, mais j'ai fait mes stages à l'époque à Audencia, le premier chez BNP Paribas au sponsoring tennis. Et le deuxième, du coup, chez Coca-Cola au sponsoring sport. Sponsoring slash événementiel systématiquement. Honnêtement, c'était quasi 50-50 entre du bureau et de l'événement. C'était la bonne époque avant Covid, et elle va revenir très vite. Mais globalement, j'ai été sur le terrain énormément, dans des jobs de sponsoring chez des annonceurs. Que ce soit, enfin voilà, l'année tennis, je suis parti, je pense, 6-7 fois sur la Coupe Davis, la Fed Cup. J'ai passé mes 15 jours à Roland-Garros, mes 15 jours à Monte-Carlo, mes 15 jours à Bercy, etc. Et toute l'équipe sponsoring BNP Paribas fait ça. Et globalement, pareil, on parlait du top 14, la Société Générale, les équipes sponsoring événementielles de la SOG vont sur les terrains. Je pense que c'est typiquement des types de fonctions qui peuvent aller dans ce sens-là. Et après, on le redit encore, le monde de l'agence, c'est un monde, surtout dans les agences qui sont un peu spécialisées sur l'événementiel, mais globalement, elles font tous ces déclinaisons événementielles. C'est aussi beaucoup d'activation terrain. Enfin, on en parlait, hein, Publicisport, qui a le compte SOG Top 14.
ben voilà, ils sont sur tous les événements à mettre en place les activations, à piloter les choses dans le stade depuis la veille, à mettre en place les OP. C'est des, voilà, si c'est des projets qui vous bottent, c'est ces types d'acteurs, que ce soit à la fois chez les annonceurs, mais en même temps, on parlait aussi des ayants droit. Bah, les ayants droit, vous imaginez bien qu'en ce moment, sur le Tour de France, une bonne partie d'ASO est sur les routes pour faire tourner l'événement. Et typiquement, on a besoin de managers de projet, on a besoin de gestion, on a besoin de gens comme ça. Donc, en fait, vos profils, ils se retrouvent très largement dans ces structures-là, à la fois dans les trois structures dont on parlait, à la fois annonceurs, ayants droit et agence. Et on a besoin de femmes, mesdames. Donc, ouais, carrément. Allez-y, Océane, et j'ai perdu ton prénom. Alice. Alice. Allez-y, parce que on a besoin de vous pour faire évoluer ce monde qui est un peu trop masculin. Donc, venez. D'accord. Bah, merci beaucoup pour votre réponse, en tout cas. Et puis, merci pour le webinaire. C'était vraiment très intéressant. Super. Merci, Alice. On va être obligé de clôturer Julie. Yes. Julie qui a levé la main, bam, juste avant le gong. Sur le gong, sur le gong. Je vais essayer d'être rapide, bonjour. C'était surtout concernant le métier de conseiller d'image auprès de sportifs de haut niveau. Je voulais savoir si c'était un métier accessible une fois le diplôme en poche, ou bien est-ce que c'est plutôt un métier vers lequel on va tendre une fois qu'on a déjà eu un pied dans le milieu du sport. Et est-ce que c'est un secteur bouché ou pas? Est-ce qu'on a besoin du réseau pour y entrer, ou est-ce que c'est accessible pour ceux qui n'ont pas forcément de réseau? Vous avez 30 minutes. c'est difficile d'y répondre rapidement. Mais bon, je vais le faire. En fait, ça n'existe pas vraiment comme métier. Enfin, oui et non. Il y a des structures qui se sont montées là-dessus. Des agences, pareil, de communication dédiées. Il y a Force Success, c'est ça, hein, le nom? Ouais. Force Success, qui s'est montée, par exemple, qui sont des agences dédiées. 17 Sports le fait aussi, on en a parlé, 17 Sports, c'est la même en anglais, le fait aussi plutôt sur les enjeux d'impact pour les sportifs. Et après, c'est beaucoup d'indépendants dans ces métiers-là. Moi, je l'ai fait en tant qu'indépendant à un moment de ma vie. Je ne sais pas s'il y a des formats, le format agence finalement rejoint un peu… rejoint un peu le format agence classique, c'est-à-dire on peut y rentrer comme chef de projet et en passant des entretiens, etc. Et finalement, les sportifs arrivent par la notoriété de la structure, par le relationnel des dirigeants, etc. etc. Sportail Community, en effet, c'est aussi une organisation qui existe et d'autres. Et après, par contre, si c'est en tant qu'indépendant… ouais, c'est le réseau. Enfin, c'est 99,9% de réseau. Quand je dis le réseau, c'est du coup le réseau qualifié, c'est-à-dire qui connaît la qualité de la personne, en quoi elle va pouvoir être utile, etc. etc. Donc, voilà pour ça. Est-ce que c'est possible en fin d'études? Oui, c'est possible. Ce sera plus facile d'intégrer dans des structures existantes qu'à son compte. En allant démarcher des sportifs sans que vous les connaissiez, c'est plus, enfin, j'aime pas dire c'est impossible, mais c'est plus difficile. C'est aussi, il faut se mettre à la place, comme d'habitude, il faut faire preuve d'empathie, il faut se mettre à la place du sportif, la sportive de haut niveau qui va être ton client ou ta cliente. Objectivement, elle va peut-être avoir envie de quelqu'un qui a un peu de bouteille pour effectivement prendre soin de quelque chose qui est très important pour elle, qui est l'autre volet de sa vie professionnelle, enfin, c'est la partie image. Après, ça dépend de ce qu'on entend par conseiller image. Hein. Si c'est voilà, quelqu'un qui va lui apporter des partenariats sportifs, ce n'est pas vraiment un conseiller image. Si c'est quelqu'un qui va finalement gérer ses réseaux sociaux, bon, c'est plus du community management qu'autre chose. Donc voilà, il faut voir un peu ce qu'on met dedans. Si c'est quelqu'un qui va gérer ses relations presse, c'est plus proche de ce dont on parlait tout à l'heure sur la partie RP. Mais clairement, si c'est ton projet… bah là, pour le coup, pareil, les postes ne sont pas forcément évidents, mais par contre, les postes peuvent se créer par des relations, par des opportunités, par des rencontres. Etienne est un bon exemple parce qu'il ne dit pas pour qui il a bossé, mais il a bossé pour un grand judoka. Et en l'occurrence, ça s'est fait par des rencontres. Quand on a un background marketing, qu'on a une certaine aptitude relationnelle à bien se mettre avec un sportif de haut niveau qui est capable de vous faire confiance pour que vous gérez son image, au sens large du terme, dans ces cas-là, ce n'est pas une question d'âge, quoi. Même si ça peut être un élément de réassurance, comme je le disais tout à l'heure. Ok, ça marche, merci beaucoup. Je vous disais ça parce que j'avais vu un petit peu le profil de Caroline Angelini, je ne sais pas si vous connaissez,
qui fait ça donc auprès de sportives. Donc voilà, donc c'est via elle. Et je peux rebondir sur une autre petite question qui est plutôt générale, donc très rapide. C'est est-ce que la professionnalisation du sport, elle tend à se développer au niveau de tous les sports ou plutôt seulement vers les sports populaires tels que le football, etc. Ça va de pair, en fait, c'est un cercle vertueux. Ouais. Donc clairement, on ne va pas se raconter des salades. C'est plutôt sur les sports majeurs que le développement est le plus, on va dire, tangible. Ceci étant, par la manière dont le sport est organisé, avec notamment ce système de redistribution par le CNOSF, par les paris sportifs, etc., il y a globalement un gâteau qui grossit et donc les petits acteurs aussi en profitent. Et donc peuvent aussi commencer à se staffer, parfois juste avec un poste, puis parfois ça devient deux et trois et quatre. Donc réponse un peu de Normand, oui, beaucoup chez les gros, mais de plus en plus chez les petits. Ça marche, merci. On va arrêter là, on va tous vous remercier pour ce très bon moment qu'on a passé avec JB. On s'est pas concerté encore, mais je pense qu'on a tous les deux passé un très bon moment. J'espère que vous aussi, il y a plein de sujets qu'on aurait aussi pu aborder, qu'on n'a pas forcément abordé. Vous nous connaissez maintenant. Vous pouvez éventuellement nous contacter. On est dispo. Merci à Aurélie pour l'organisation. Ça a été géré d'une main de maître. Donc, merci beaucoup. On vous souhaite en tout cas à tous une très belle continuation, une bonne fin de journée. Et puis sûrement, du coup, à bientôt au bord des terrains. Ou au MOS. Et merci, JB. Ou au MOS, bien sûr. Merci beaucoup de votre accueil. Merci, au revoir. Merci. Bon après-midi à tous. Merci à tous les deux. Bonne journée. Au revoir.